L'apparition soudaine d'un super destroyer Covenant était imprévue. Un rebondissement regrettable. Heureusement, la parade est imminente. 60% des bâtiments de la flotte UNSC convergent sur Reach depuis leur position actuelle. Fleetcom signale que le premier détachement arrivera d'ici 48 heures. Tant que ça? Tu parles d'une imminence? Ah ah. Sur qui tu paries cette fois? Elle. Comme d'habitude, alors. Elle l'a toujours à sa pogne. Cette chose nous taille en pièces. À ce rythme, on y sera tous passés avant l'arrivée des renforts. Nos ogives nucléaires ont été vaporisées avec leurs canonnières. Les autres sont déjà loin. Vous prêchez un converti. À quel point? Je connais ce regard. Vous pouvez dire non? Non. Vous pourriez m'écouter, au moins. Très bien, j'écoute. Vous vous rappelez cet incident il y a 2 ans? Un navire en transit vers Cygnus. 700 morts. Vaguement, une défaillance du moteur PRL, c'est ça? En fait, il fonctionnait au poil. Les mécanos ont foiré le remontage après une maintenance. Quand il s'est déclenché, la moitié du navire s'est disloquée. Et alors? Quel rapport? Avec un peu d'aide, un certain super destroyer Covenant pourrait subir le même genre de regrettable incident. Même pour vous, Kat, c'est... Inspiré? J'aurais dit autre chose. Il se passe quoi? Ok, expliquez-leur. Vous permettez? Fais gaffe avec ça. L'objectif? Détruire le destroyer Covenant en orbite géosynchrone. Vous approuvez, chef? À votre avis. Ah. La méthode? Utiliser un moteur PRL au lieu d'ogive. Vecteur d'intervention? Nous. Problème? Rejoindre l'orbite. Ça, et mettre la main sur un moteur PRL. Là, je te le rends. En gros, ce qu'il nous faut, c'est un transport orbital et un exemplaire du matériel le plus coûteux jamais créé. Je ne suis qu'un simple soldat. Jamais je n'ai eu accès à ce genre de matos. Cela dit, je connais un endroit où on pourra se servir. Le site de lancement du très fictif programme Sabre, ramené au rang de vulgaire rumeur par 3 gouvernements successifs. Et où, bien sûr? Notre lieutenant n'a jamais servi comme pilote. T'es flippante, des fois. On a besoin que de l'aval du colonel. Ça, c'est pas gagné. C'est vous qui lui demanderez. Oh, jamais il sera partant. Déposé sur le site de lancement. Plus près, c'est vraiment trop tendu. Bien reçu, commandant. Allez vers la plage, Noble.
dedans, Tis. Allez. Marshall, on approche. Tirez pas. Le vol est par là, ils nous attendent. Des fois, c'est trop bon pour dire non. Faisons voler ce sabre. Apparition sur la plateforme inférieure. Sabre avant que les Covenants le bousillent. Et vous et Kat alors? June arrive en Falcon. On se taille après votre lancement. Allez! C'est vu, 6. On y va. Équipe de lancement, le sabre est paré. Je suis juste passager cette fois. Hollande pour Sabre Bravo, haut de 9, terminé. Bien reçu. Colonel Hollande? Affirmatif, Noble 5. Bienvenue à l'opération Uppercut. D'ici, je vous dirigerai tout le long. C'est compris, Colonel. Noble 6, ces sabres ont été modifiés pour la défense orbitale. Vous aurez besoin d'un temps d'adaptation. Rendez-vous à Encore 9, avec la frégate Savannah, avec les autres sabres, dès que vous êtes prêts. Terminé. Savannah pour les équipes Sabre, des ennemis se dirigent vers nous. Encore neuf à tous les vaisseaux de l'UNSC. La station n'a plus de défense. Demandons renfort le temps de les réparer. C'est parti. Montrez-leur ce qu'on peut faire. Les batteries défensives sont à 56%. Tenez bon, équipe Sabre.
vaisseau de l'UNSC. Signature de propulsion détectée. Des chasseurs. Allez, ça. Ça, arrosez-les pour désactiver leurs boucliers, puis envoyez-leur des missiles. Vaisseau détruit. Yes. Les batteries défensives sont à 79%. Encore une minute, équipe ça. Encore 9 à tous les appareils proches. Attaque ennemie massive en approche. La patrouille de combat et les équipes sabres doivent ouvrir le feu pour défendre la station. Il faut aller où pour pas voir de Covenant ? Encore 9 à tous les vaisseaux de l'UNSC. Les défenses de la station sont de nouveau actives. Dégagez la voie, on allume. Fantôme en approche sur vecteur 7, marque 4-9. Encore 9 à tous les chasseurs UNSC. Multiples fantômes en approche de nos batteries défensives. Équipe Sabre, marquage immédiat de canonnières très précieuses. En attente de l'impact. Alarme de collision. Bien vu, Noble 6. Continuez comme ça. Un qui vous suit. Débarrassez-moi vite de ce banshee. On tire dessus. Gérard sur mes traces. Encore 9 pour vaisseau de l'UNSC. Toute cible neutralisée. Bravo 029, permission d'entrée. Marqueur activé. Hollande pour sabre Bravo O29. Noble 5, vous êtes prêt ? Affirmatif, colonel. Je suis là, 6. Alerte, pad de retour M-Spec désactivé. Il me faut l'autorisation. Alerte, pad de retour M-Spec. Dépressurisation du cockpit terminée. Ouverture de la verrière armée.
Noble 6 âmes. Noble 5, répétez. Affichage coordonnées 19/22. Volontiers, base Sword ONI, secteur 18G. Filtre thermique. Noble 5, votre fréquence cardiaque accélère. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la base Sword. Le surnombre est trop écrasant. Noble 5. Je sais. Bravo 029, allumage du propulseur autorisé. Noble 6, ici Hollande. J'écoute, colonel. Nous avons identifié un navire de classe corvette en voie d'amarrage avec l'objectif. Transférer notre bombe improvisée sur cette corvette pour assurer la livraison. Noble 5 se chargera du colis. Votre escadron Sabre dégagera le passage avant abordage. Reçu, colonel. La Savannah a fait cadeau de la rupture spatio-temporelle à la cause. Donc, elle viendra à votre renfort en local. Savannah UNSC, on est peut-être cloué au sol, mais on va vous couvrir. Sur ce coup-là, ma tête est sur le bio pour l'équipe Noble. Ce sera fait, colonel. 6 terminé. Cible corvette repérée à portée de la balise NAV ERA 15. On l'a en visuel. Cible confirmée. Brigade Savannah en position, en attente des sabres. Écho 1, tous les systèmes parés. Écho 2, on est prêt. Écho 3, système prêt. Écho 4, tous les systèmes prêts. Bien reçu, brouillage en cours de la com' de la corvette. Frappez fort tant qu'elle ne peut pas appeler au secours. Ok, équipe sabre, dégagez un accès à la corvette. Il faut peut-être brider les moteurs, colonel, pour voir si on la ralentit. Bonne idée, Savannah. Ça rendra son abordage bien moins compliqué. 6, je marque les cibles. Flinguez les moteurs principaux de la corvette. Tire dessus ! Tirez, tirez ! Je lui tire ! De moteur à propulsion, plus d'ennemis en approche. Écho 2 pour contrôle Savannah. D'où viennent les renforts? Je croyais que la cible était brouillée. Sans doute des escouades de retour de patrouille, Écho 2. Ne les laissez pas filer, Sabre. Tuez-les avant et prévenez le super transporteur de ce qu'on prépare. Alerte, l'heure détectée dans le SAS, poste de lancement de la corvette. Analyse toutes les données dispo sur cette corvette. Trouve une entrée. Le scan indique une faiblesse structurelle autour de la plateforme supérieure du vaisseau. Noble 6, posez-vous immédiatement sur le pont supérieur de cette corvette. Les contre-mesures de la Savannah vont finir par lâcher.
Débrouillez-vous pour entrer et bousillez la com de ce vaisseau pour de bon. Dès qu'on sera sûr que la corvette est muette, on entamera Uppercut phase 2. Savannah, relais de com ennemi désactivé. Reçu, je stoppe les contre-mesures, j'envoie toute l'énergie et le personnel vers les armes. Bien, Nabel. Allons placer cette bombe de rupture spatio-temporelle. 6, au hangar. Mobile vers le hangar. Noble 5, vous les retrouverez là-bas. Affirmatif, on approche. Flinguez ses commandes. Je dois entrer. Colonel. Reçu. 6. Menez votre escouade jusqu'à la passerelle. L'opération de ravitaillement avec le super destroyer doit être enclenchée manuellement. Reçu. 5. Restez en position et dissuadez les curieux. Avec joie. Vous entendez ça, lieutenant? Je suis en solo par ici. Alors maniez-vous le train, ok? Dirigez cette corvette vers le supertransporteur. Rendez-vous au pont. Trouvez les commandes de navigation.
Dégâts structurels critiques. On doit battre en retraite, colonel. Bien reçu. On vous coupe. Rentrez au bercail. Repli! Repli! Avarie! Surchauffe du réacteur! On va y rester! Savannah, vous m'entendez? C'est fini, Sis. On pouvait rien faire. Noble, vous êtes en territoire ennemi sans appui. Faites avancer cette corvette et foutez le camp de là. Ça doit être le pont, Spartan. On fait le ménage. On se bouge, lieutenant. Envoyez la navette se ravitailler au super transporteur. Bravo, Noble 6. Opération Uppercut lancée. La corvette est en route. 6. Notre porte de sortie se fait avoiner. Retournez au hangar. Pain de sang. C'est quand vous voulez, Noble 6. J'aurais dû y passer. Juste pour être bien sûr. Embuscade ! Ennemi repéré. L'ennemi me tire dessus. Thank you.
soyez là. Le Pélican se prend une sacrée dérouillée. Venez avec moi. La distance diminue entre la piste de ravitaillement et le super destroyer Covenant. 76 secondes avant contact. Ok, ça se présente mal. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le système de propulsion est HS, et le seul moyen de foutre le camp de ce poids mort, c'est de miser sur la gravité. Et la bonne nouvelle ? C'était la bonne nouvelle. À vitesse constante, contact dans 53 secondes. Ouais. Mauvaise nouvelle, le minuteur a grillé. Va falloir que je l'enclenche en manuel. C'est du suicide. On y passe tous un jour ou l'autre. Foutez le camp, 6. Ils auront besoin de vous en bas. J'ai une dette envers Rich. C'est l'occasion ou jamais de la payer.
Ne m'en empêchez pas. Faites que ça vaille le coup. De crier.